Here they are on their way to school on a beautiful spring day. But no matter where they go or what they do, they always try to remember what to do if the atom bomb explodes right then. It's a bomb. Duck and cover. Paul and Patty know what to do. Paul covered the back of his head so that he wouldn't be burned. And Patty covered herself with the coat she was carrying. Here's Tony going to his Cub Scout meeting. Tony knows the bomb can explode any time of the year, day or night. He is ready for it. Duck and cover. Attaboy, Tony. Duck and cover. Don't wait. Duck away from the windows fast. Duck and cover. This family knows what to do, just as your own family should. Duck and cover. That's the first thing to do. Duck and cover. The next important thing to do after that. Summertime and living is easy. We shot jumping and the cotton is high. Salut. Bonjour. Société Voltaire. Ça ne m'intéresse pas. Non, c'est vraiment une question de vie ou de mort. J'ai pas vraiment envie de vous parler. Allez-vous-en. Non. Vivement la fin du monde. Ça, ça me plaît. Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. On va la frisson. Ne pleure pas. Tout va bien. Laissez-nous entrer. On est sur la liste. On t'aime aussi. Oh. Allez plus vite. Duck and cover. Bienvenue dans l'abri sombre. Là, on a un bel abri, heureusement que tous nos potes sont morts. C'est quoi ça? Vous avez une famille adorable. J'espère que vous... Module de cryogénie. Ah, on se fait décontaminer, pardon. C'est un piège. Ils vont l'arracher en deux. Arrêtez! Oh! Je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Sean. Ils ont buté mes voisins. Ils ont buté ma femme. Ils ont volé mon fils. On prend un grippin. C'est jamais, on pourrait crever de faim, il nous faut un grippin. Ah, Pip-Boy. Toute dernière génération. Ils ont pris ma femme. My children capote. Ils ont tué mes voisins. Oh mon dieu, la lumière. Allez, salut tout le monde, ici John Cutter pour l'épisode 2 sur Fallout 4 en mode enfoiré. Nous venons d'arriver dans le futur qui est en fait maintenant le présent. Nous avons fait un perso cac sans crête, quelque chose d'incroyable. Jusque-là, jamais vu. Donc, prenons notre matraque. Et puis là, notre objectif est de rentrer chez nous. Sachant qu'ils ont pris ma femme. Ils ont mis une balle dans sa tête. Ils ont pris mon enfant. Mes voisins sont capotes. Et oh, oh, mon dieu, les décors bougent. I'm shocked. Alors, savoir que j'habite pas par là, quoi. J'habitais plutôt par là. Je voudrais rentrer chez moi avec cet objet, s'il vous plaît. Non, pas ça. Aucune sauvegarde rapide n'a été trouvée. On s'en fout. Bon, j'habite pas là-bas, hein, clairement. C'est juste pour avoir un petit point de vue sur les environs. Oh, des morts. Là, pour l'instant, ça fait un peu... Oh mon dieu, tout l'univers est décédé sauf moi. Capsule. Oh, je ne le sais pas encore, mais je sais que les capsules, ça va être vachement utile. RP. Par contre, j'ai pas vu... Est-ce qu'on a un mode hardcore, quelque chose? Bon, on me le proposera peut-être après. Boire, manger, tout ça.
On verra bien. Je sais pas si c'est par là que je suis entré, je crois pas. Non, je suis allé complètement. Je suis en train de me barrer déjà du mauvais côté. C'est quoi? Ah, PA, c'est mon endurance qui est là, ok. Ouais, pour moi, on a pris ce chemin et on était à la troisième maison par là. Ce petit ruisseau. Alors... des choses oranges dans l'eau. Je veux en être. Inscrivez-moi. Putain, aucune sauvegarde rapide n'a été trouvée, t'es gentil, mais tu peux me l'enlever. Sauvegarde rapide. Voilà, t'en trouvé maintenant. Merci. Manifestement, il aime pas l'eau. Oh, va falloir que je revoie un peu ma config pour un épisode précédent. Pour un épisode suivant, parce que le précédent on l'a déjà fait en fait. Ouais, c'est bizarre. Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est l'eau et la lumière? Est-ce que c'est aucun des deux? Sanctuary. Là où je vis. J'ai habité. Oh, regardez, il y a Cotsworth. Enfin, probablement. Mais j'ose croire que c'est lui. Ouais, je reverrai ma config. Merde. C'est un petit peu laid. Enfin, un petit peu laid. Laid, non, saccadé, oui. Nyoka-Cola. Mais elle est feed. On va pas prendre ça, quand même. Cachette de capsule. Je sens, moi, la puissance des capsules. Et là, c'est le moment où je réfléchis sur ma condition. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce qu'il est... Il est de toute beauté, ce personnage, quoi. Franchement, oh, je vous ai gâté. Hein. Il n'y a pas de crête, mais en gros, il a des poils où il n'en avait pas avant, perso. J'ai moi qui ai toujours voulu fouiller chez mes voisins. Et en fait, c'était à chier. On va tout de suite se changer. Voilà, ça c'est non négociable. Tenue. Vous pouvez définir des objets comme favoris. Ouais, non, c'est vachement trop compliqué pour nous. Ah, voilà. Voilà. Parce que là, on était vraiment trop dégueulasse. Une clé mixte, qu'est-ce que c'est que ça? Clé mixte? J'espère que c'est pas une clé pour bricoler, quoi. Parce que si c'est ça, on s'en fout un peu. Bref, je l'ai prise. La boîte aux lettres, c'est toujours vachement important. Crayon, putain de merde. Celle-là n'était pas vachement importante. Par ma barbe. Oh mon dieu. C'est vraiment vous. Cotsworth est de retour. Toujours là. Tout est mort, ce serait un constat... Non, toujours là. Cotsworth? Tu es toujours là? Ah non, je croyais que je parlais de moi. Mais alors, d'autres ont peut-être survécu aussi. Évidemment que je suis toujours là. Vous ne pensiez tout de même pas qu'un peu de radioactivité suffirait pour se débarrasser de la fierté de General Atomics International, si? Mais vous n'avez pas l'air en grande forme. Mieux vaut que votre épouse ne vous voie pas dans cet état. Où est-elle, d'ailleurs? Tu l'as tuée. Elle ne peut pas être morte. Elle ne peut pas être morte. C'est pas possible. C'est un mauvais rêve. Un cauchemar. Monsieur, ces choses que vous dites... Ces choses affreuses. Je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui, ouais. Une distraction pour lutter contre cette déprime. Allez, une blague. Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames. Ou pourquoi pas aux charades. Sean adore ce jeu. Est-il avec vous? Tu as vu Sean? On me l'a pris, il a été enlevé. Tu as vu Sean? Écoute-moi bien. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as vu Sean? Il était avec madame quand je l'ai vu pour la dernière fois. Elle est peut-être allée chez les Parker pour qu'il puisse jouer avec son ami. Nul doute qu'elle reviendra bientôt avec lui. Ça n'a pas de sens. Je n'y comprends rien. Qui aurait pu vouloir enlever mon fils? Ça n'a aucun sens.
C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement due à la faim. C'est le genre de choses qui arrive quand on ne mange pas pendant 200 ans. J'en ai peur. 200 ans ? Ok. 200 ans. 200 ans ? Quoi ? Question que je me suis posée. Qu'est-ce que tu... Un peu plus de 210 ans, en fait, monsieur. Plus ou moins quelques minutes. En raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie que vous avez deux bons siècles de retard pour le dîner. Et c'est con. Souhaitez-vous que je vous prépare une petite collation ? Carrément. Vous devez avoir faim. Je veux manger, ouais. Refuseront parfois de vous payer ou de vous révéler ce qu'ils savent pour alors essayer de les persuader de se montrer plus coopératif. Jaune pour facile, orange pour moyenne et rouge pour difficile. On va faire ok. Codsworth, tu as un comportement un peu étrange. Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh monsieur, c'était affreux. Deux siècles entiers sans personne à qui parler, ni personne à servir. J'ai passé les 10 premières années à essayer de cirer les sols. Mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques. Je vais dire, ça doit être propre à l'intérieur. Je ne vous parle pas de la futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée. La voiture, comment faire pour polir la rouille? On se concentre. Reste avec moi, mon vieux. Concentre-toi. J'ai bien peur de ne rien savoir du tout, monsieur. Les bombes sont tombées et vous êtes tous partis précipitamment. J'étais certain que vous et votre famille étiez morts. J'ai retrouvé cette holobande. Je pense que madame souhaitait vous en faire la surprise, mais ce que vous savez, c'est produit. Une holobande. Une holobande. Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Je pense qu'il s'agit d'un message d'ordre privé qui vous est adressé. Mes protocoles de convenance m'empêchaient de la lire. N'importe quel lecteur de l'Holobande devrait vous permettre de la lire. Comme le Pip-Boy que vous avez au bras, par exemple. Il devrait parfaitement faire affaire. Bon, je me suis suffisamment apitoyé sur mon sort. Souhaitez-vous que nous inspections le quartier ensemble ? Peut-être retrouverons-nous madame et le jeune Sean. Du danger, peut-être ? Oui, non. Bah oui, on va squatter d'accord. Ensemble. Je te suis. Je suis fier de vous servir, monsieur. Ah. Ah non, c'est pas un vrai celui-là. Finissons-en rapidement, d'accord ? Bonne chose de fait. Ok. Je t'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il fout ? D'accord, il arrive et bute tout le monde. Un safe. Novice. J'ai une épingle à cheveux. Génial. Oui. En tout, où est-ce qu'on voit mon poids? 22 sur 270, très bien. Prenons fourchette en argent. Quand même un peu de la merde. Manta, OR, LX, Radaway. E, prendre, R, tout prendre, X, examiner, tab, quitter, tab. C'est quoi ça? C'est notre maison à nous? Non, on ne pas. Il n'y a rien d'autre ici que quelques mouches. Je prends la citrouille. Attendez. Mes capteurs détectent du mouvement dans une autre maison. Suivez-moi. Bon, on va le suivre. Hein. Putain, il y a déjà de quoi faire hein, pour explorer ce coin. Ma femme non, bon, ma femme, on sait où elle est, mais... C'est l'heure d'éradiquer les nuisibles. Les nuisibles? Ah là-bas. Ouais, les ralentissements un peu dégueu. Hein. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh, les balles. Si j'étais à leur place, j'aurais pris la fuite aussi, monsieur. Je ferai quelques réglages. Une brosse à dents?
Mais ça a même pas dedans. Votre femme. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Calme-toi, Cotsworth. Ce n'est pas grave si ta famille est morte. Ah non, ça c'est moi. Oh. On va se tuner un petit peu quand même. Hein. Et encore une citrouille en plastique. Donc c'était Halloween au moment où ça pétait quoi. Des citrouilles en plastique partout. Une petite voiture à hocher, on s'en fout. On n'est même pas allé dans notre maison. Hey, Cotsworth. Ouais. C'est tout, Cotsworth? Qu'est-ce qu'il fait, Cotsworth? Quel est notre objectif? Inventaire, vous pouvez définir des objets. Ouais, mais non. Donner. Quête. S'il te plaît, enlève-moi ça m'énerve. Voilà. Quête, hors du temps. Inspecter le quartier avec Cotsworth. Très bien. Stat. Ok, donc en fait, pour l'instant, j'attends avec... avec Cotsworth. Tu me suis, God? Cotsworth. Bon, j'ai inspecté sans lui. Hein. Bon, la maison est moins bien, là. Savoir laquelle était la mienne. Je ne sais plus. On va bien trouver, hein. Ça ressemble pas à chez moi non plus. Il a dit qu'elle était effondrée, mais je trouve ça un peu gros, quoi. Je veux ma maison. Et puis il a pas l'air trop chaud, la Cotsworth, à faire quoi que ce soit. Pas grand chose à récupérer. Hein. Est-ce qu'elle marche? Je pouvais espérer. Elle marche. C'était ici chez moi, non? Peut-être pas. J'ai tellement un sens de chewing-gum. On va pas prendre ça, on a un grippin déjà. Salle de bain. Ah! Non mais c'est là où je suis passé, abruti. Et c'était pas ma maison. Et je sais toujours pas où elle est, ma maison. Ok, les buissons. Ce serait celle-là, ma baraque. Il y avait une porte ici, c'est sûr. Ouais, c'était celle-là. Ouais, c'était ici. Merde, je voulais pas la prendre, je voulais l'allumer. Bon, la télé, elle veut pas, hein. Gwyneth Stout. Ça, direct, Stout, ça veut dire que ça se boit. Inventaire. Soin Gwyneth Stout. Ah. 200 ans sans bière. Comment a-t-il fait? Une huche à pain. Petit biberon, ah, on s'en fout, tout ça. Il n'y a plus rien à bouffer. Oh zut. Il y a des petits mots, c'est quoi ça? Get more sugar bombs plus Nuka-Cola. Bread, liste de courses. Rappeler le mec des réparations. C'est con que j'ai pas le numéro, je l'aurais bien appelé quoi. Carburant de Mr. Handy. Je sais pas à quoi ça sert, mais je sens que ça peut être utile. Une manique. Petite voiture, rocher. Je viens te chercher, mon garçon. Mais il est pas là, hein. Je voudrais pas le cacher, mais... Il y a un truc sous son lit. Un cube de bois V et F. Pourquoi V et F? J'aurais une collection de cubes de bois à faire. N et S. Blast Radius. Qui ramasse toutes les merdes du monde. C'est mon passé, ok? Alors... Eh bien...
Je veux bien explorer le quartier, hein, mais... Code Surf, il a pas l'air trop chaud pour continuer. C'est ça. Ah non, mais on est déjà passé ici. Feignant de robot, quoi. Là-bas, il y a une grosse boule en l'air. Aurais-je entendu un grognement? Vos dégâts de radiation ont réduit votre santé maximum. On a déjà pris autant de radiation dans la gueule que ça, merde. Un New Cat Cherry. Je le prends. Off Mimosa, miam miam. J'avoue que j'ai aucune idée s'il y a de la bouffe à gérer ou quoi que ce soit. Une valise à déverrouiller. Je suis intéressé. Hop là. Ça y est. Une robe. Vous voyez que je peux mettre une robe. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Ok. Ouais. C'est le futur hein, en même temps, c'est pas les mêmes mœurs, hein, vous comprenez. La robe, c'est tendance à cette époque-là. Ah, joie, joie, humeur. Assise d'as. C'est un peu pourri notre ancienne ville. Hein. Ah, la bière ne fait plus d'effet. Zout. C'était ma seule bière, merde. Une balance de cuisine. Pas sûr que ça serve. Un flingue. Terminal de comptabilité, allez-y. Comment on déverrouille un terminal? C'est encore les codes à l'ancienne? Ouais. Bon. Allez, un coup de mastermind. Ouais. Correspondant au nombre. Ouais, bon, c'est pas grave, on connaît. Ever. Similarité 0. Bon, ça peut pas être free. Ça peut... Wars. On a combien d'essais? 4, comme avant. Similarité égale 0. Putain, ça commence à faire pas beaucoup. Cost. Similarité égale 0, putain, mais merde. Loan. VATS. Non, il y a un S, y a un truc qui colle pas. Mail. Mail, ça colle pas. Does. Does, ça colle pas. Fend. Ça a l'air pas déconnant. Form, ça passe pas. Hurt. Ça passe pas. Hazy. Ça passe pas. Et slid. Et merde, il y en a deux de possibles. Alors voilà, la vieille technique, je suppose qu'elle marche toujours. Tu sors. Et tu as à nouveau 4 essais. Ouais. Bin. Ouais. En route pour la joie. C'est un album de Noir Death, ça, si je dis pas de conneries. Une musique tout du moins. Sanctuary Hills. De quoi ça parle? Il est toujours sur les nerfs, je n'arrive pas à lui dire qu'il faut se détendre. Un coup de tarte. Je sais pas trop de quoi il parle ce PC là. C'est du psycho. Pithécanthrope. Donc là si je veux je peux charger mon petit jeu vidéo quoi, charger le monde, ok. Concorde, Boston, j'en sais rien moi. On a Boston d'ailleurs. C'est quelqu'un qui prend des notes. Sepulski. Plus de Daddy O. Ok. Ouais bon, c'est des infos sur tout et n'importe quoi. Sur des gens qu'on connaît pas. Qu'on va certainement croiser. Une bombe artisanale. Avez-vous vu ça? Première mine du jeu. Et je la vois. C'est pas juste incroyable? Quel progrès. Du jamais vu quoi. Ouais. Bon, on a 300 pistolets, on s'en fout, on les prend. J'ai fait exprès de prendre de la force pour avoir un inventaire costaud et là depuis tout à l'heure je mets des merdes dedans. Quoi qu'on n'a pas encore d'armure de fou et tout. Je vais pas me plaindre tout de suite.
Mais j'ai l'impression que de ramasser que des merdes depuis tout à l'heure et qu'il n'y a rien dans mon inventaire. Mais... Oh! Bon, là, elle est moche, la maison. On va peut-être pas aller voir. Là-bas, il y a une grosse boule qui m'intrigue un peu. Mais... À la limite, ça passe. Ça, on est d'accord, ça implique bien qu'il y ait quelqu'un dans le coin, ça. Je veux cuisiner, voilà. Il me faut de l'eau purifiée, des gnolls. Ok, je peux pas. Eau sale, ok, j'en ai pas. Fruits mutants, Nuka-Cola, whisky, ok, je peux pas. D'hiver. Je suis pas sûr d'hiver. Amidon végétal, il faut plein de trucs, ok. Rôti. Il y a besoin d'une compétence. Ça a pas l'air. Hein. Boucher d'écureuil, il faut juste un morceau d'écureuil, ragoût d'iguane, du bois. J'ai du bois sur moi. Il faut du bois, moi. Côte de chien. Je peux rien faire avec le cafard que j'ai trouvé, s'il vous plaît. Oh, j'ai pas ramassé la viande de mouche bouffie, quoi. Rat de cafard grillé. Ça, c'est mon kiff. J'adore ça. Mais finalement, rien n'a changé. Sanguine, qu'est-ce que c'est que ça? Ragout d'écureuil. Ouais, on quitte la station. Ouais. Quel charisme. Oui, en fait, dans le passé, j'ai toujours voulu être une femme. Du coup, je porte des robes et une barbe. Putain, on capte pas la télé, quoi. Comment j'ai regardé le championnat? Merde. Pas d'eau, pas de bière. Fond de John, un triste cire. Pâté pour chien. Je puis chier sur la commode. Est-ce que c'est une option envisageable? Ça a pas l'air. Bon, c'est un peu tristouné. On s'est fait les maisons de la ville, là. Je suis quand même censé visiter avec Cotsworth. Grenade à fragmentation, tout à fait, je la prends. Une montre en or, tout à fait, je la prends. C'est le genre de produit autorisé. Il y a une bagnole là-bas. Eh ben attendez, mais c'est la mienne. Là, il y a un genre de petite fusée dégueulasse. Du crâne. Bon, on va retourner voir le Nono le petit robot. Voilà, je préfère. Ah, ah, Gwyneth Boo. Prenons des trucs à boire, quoi. Ah, les bières, ils les ont tous mis sur leur terrasse, en fait. Des melons. Je dois confier cette tâche à quelqu'un. Je dois confier cette tâche à quelqu'un. De quoi confier cette tâche? Un établi d'armure. Ouais. Un atelier. Permet de construire, de modifier et de supprimer les objets et les structures proches. Gauche ou droite pour trouver l'objet que vous souhaitez fabriquer. Fabriquer un objet. Ouais. Structure. Là, je veux faire une structure, mais je sais pas moi. Ouais. Impossible d'affecter cette personne à une voie de réalité. Non. Bordel, je comprends rien. Échappe. Bon, maintenant V. Ouais, mais ça sert à quoi? À recycler? Choisir. Ouais, je suppose que je choisis ça. Ouais. Ah, je choisis où je le mets. En gros, c'est... Wow. C'est ma maison ici. D'accord. Ok.
ok. Ouais, ça me stresse un peu. C'est pas tout ça, mais ça me stresse. Alors là, voilà, poste d'armure assistée, ça je veux bien. Genre là, supposons que je fasse B. Genre ça, je peux dire, attendez, what the fuck. Moi, je le veux, voilà, c'est n'importe quoi, moi, je veux le mettre là, quoi. C'est quand même 100 fois mieux, là. Je fais ça. Ok, donc j'ai ma maison, quoi. Par contre, les touches sont merdiques, à souhait. Structure bois. Structure métal, structure porte. Donc on peut se faire un truc un peu charismatique. Ouais. Charismatique pour l'instant. Déjà mon frigo est vide. J'ai même une bougie. Pareil, un costume noir sale. On va se permettre quand même. Je sais que la robe, c'est... Je sais que ça vous plaît dans le fond. Mais je sais que ça plaît pas à tout le monde non plus. Voilà, donc... Voilà, voilà, ça c'est cool ça. Ok, bon, cette histoire d'atelier, ça a l'air intéressant. Il y a à pousser quoi. Structure d'hiver. Genre là, voilà, je veux une clôture. Qu'est-ce que je fais? Clôture de fortune. Ah, fabriquer. Voilà, j'avais les ingrédients, putain. Fabriquer avec... du bois, de l'acier, donc là j'aurai tout ce qu'il faut, même si je sais pas où j'ai trouvé du bois et de l'acier, mais... Je pourrais faire une clôture, machin. Plein de types de clôtures différentes. Et la zone de construction, elle s'était... Enfin, je sais pas trop jusqu'où elle... Enfin bref, ok. Et on peut redescendre, clôture, structure. Ouais. Alors si je veux du mobilier, je peux me faire un pieu. Il faut de l'acier, du tissu. Donc là, voilà. Jusqu'où je peux mettre un lit? Je comprends pas bien, quoi. Elle va jusqu'où, ma zone de construction? Je peux mettre un lit là, quoi, si je veux. Ouais, c'est chelou. Je trouve ça vraiment bizarre. On va pas s'occuper trop de ça, pour l'instant. On va... Hein? Je verrai ça, je sais pas quand, mais... Chelou, quoi. Oh. Bon, Cotsworth. Réveille-toi. Nous avons exploré la ville. Donc là, si je veux, je peux le faire, quoi. Non, je suis plus dans le mode construction. Oh, non, je vais dire ça. Madame et le jeune Sean, ils ne sont pas là. Et maintenant... Sean est là, quelque part, Cotsworth. Ah, putain, c'est juste ça qu'il fallait que je fasse. Je dois le retrouver. Monsieur, il y a beaucoup de gens là-bas. Ma faute. Et la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont juste donné quelques coups de bâton avant que j'arrive à m'enfuir. Concorde ? Sarcastique. Ces gens-là me plaisent déjà. Oh, parfait. Dans ce cas, peut-être que vous vous entendrez bien avec eux et qu'ils pourront vous aider à retrouver le jeune Sean. Je vais rester ici afin de protéger notre foyer. C'est tout. Inspecter Concorde. Ouais. Ouais, donc là, si je veux, je peux mettre un lit, quoi. C'est, bon, c'est débile, mais ok, ouais, ok. Ouais. Alors, une map. On n'a pas encore trop regardé. Manifestement, on est au nord-ouest de la map. Brisson, sanctuaire, très bien. Sanctuary, 0, bonhomme, 50%. Ok, ça je suppose que c'est mon... C'est comment les gens m'apprécient, par contre zéro, c'est quoi? C'est la population de la ville. Donc là, on doit aller vers une ville plus grande, Concorde, ok. Ça a l'air plutôt grand. Et là, il y a une grosse ville. Il y a des routes et des routes, quoique. Il y a des routes partout, j'en sais rien où est la grosse ville. Ben, on va se diriger vers Concorde, si j'arrive à me repérer là-dessus. Un petit point. On va prendre la route, hein, attendez. Oh. Oh. Alors, je sais pas. Faut que je regarde un truc. Soins. La bouffe, c'est compté comme des soins. Mangeons la pâtée pour chien. Mmh.
Ouais, le menu d'atelier, j'ai un peu de mal à... En fait, je peux construire ce que je veux dans cette ville, des barricades et tout. Je vois pas trop l'intérêt. Moi, ce que je veux, c'est un coffre et un lit. Après, s'il y a des gens qui peuvent rejoindre, je dis pas non. Il y a un truc qui s'est glissé derrière ce pneu. Ok, que dalle. Voilà, là, on est sur la bonne route. Donc notre village, il est plein nord-ouest, quoi. Enfin, notre village ouest, si on peut dire village. De la flotte. Je vais voir s'il n'y a pas des trucs échoués dans la flotte, mais... Toi, t'es moche. Toi, ça va, toi. On prend tout, en fait. Comme ça, on ressemblera moins à un clochard. Parce qu'il a, il a plutôt une veste... enfin, largement moins moche que la nôtre. Quoi. On va se boire une canette, du coup. Ouais, là, là, on a quand même l'air un peu moins con. Regardez cette veste-là, le beau cache-poussière. Marrant de ces voitures. Alors, il me dit que la route, ouais, c'est par là. On va quand même faire une petite étape à la station essence, hein, puisqu'on y est. Ah, le chien! Le fameux chien de la bande-annonce, même ça, je l'ai vu, moi. On peut pas être méchant avec un chien. Interdit. Maintenir table pour ouvrir le tableau des aptitudes. Hop. Ok, donc là, en fait, je vais gagner un point à chaque niveau. Non. Entrer, choisir. Ah ok, donc je serais peut-être pas si à chier que ça, quoi. Donc moi, je veux de l'agilité. Je fais ça. Enfin non, je veux pas d'agilité, je veux de l'intelligence. Confirmer le choix. Non. Je déconfirme mon choix. Comment je déconfirme? Bordel. Comme ça. Intelligence. Je veux être intelligent. Confirmer le choix. Oui. Et donc là, je gagne un point, ok. Et puis... Merde, j'aurais pu prendre des trucs ici. Nécessite force 1. Ah! Je suis juste teubé, quoi. Merde. Je suis juste con. Merde. Bon. Ok. Oh, du calme le chien. Bon, c'est pas grave, on le saura pour le prochain niveau. Hein. C'est que le premier niveau, après tout. Prenons des steampacks, hein, après tout. Alors, oui, parlez au chien. Putain, t'es où le chien? Parce que t'es mon pote, le chien. Hey, salut, toi. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul? Sac à puce. T'es plutôt du genre sac à puce, hein. D'accord, on va faire un bout de route ensemble. C'est mon chien, ok. Hé. Hey. Allez, restez... ouvrir port. Allez voir ce que c'est. Putain, c'est le chien le plus intelligent de l'univers. Il est trop cool, ce chien. Comment ça va, mon vieux? On peut pas lui donner à bouffer? Alors, mon grand? Tu connais des tours? Wouah! Tu t'appelleras... Chien! Hué dada tête. Hué dada pataria. Il y a moyen de refaire un robot, je suppose. Une canette? Pas de bière. Qu'est-ce que t'as trouvé? Attendez là. Je galère un peu. Des thunes. Entrée professionnelle. Nouvel équipement installé. Ouais.
chouette fille, gna gna gna. Le gamin a l'air d'être un petit con. En tout cas, elle a fait tomber au casque. Elle a fait un sacré boulot, je suis franchement épaté par tout ce qu'elle et son armo ont réussi à faire. Et sans aide en plus, elle est venue me voir seulement parce qu'elle ne peut rien faire pour le moteur. Donc, on pourra l'aider. Il y a des barils planqués avec d'autres. Une grotte sous le magasin. Ça, ça c'est cool. Lisons les derniers, 18 octobre, fuite de liquide de refroidissement. C'est un peu chier. Je reprends le même. Et la dernière entrée. Voilà, bon, alternateur, tout ça. Hop. On s'en fout. Alors, briquet à essence plaqué, alors je prends. Il y a une caverne cachée quelque part. Sous la station. Sous la station. Des clubs. Pognon. Qu'est-ce qui se passe? Eh oh! Bon, je mange pas les dents, moi. Il est où, mon clébard? Eh! Bah, suis-moi, quoi. Allez! Magazine. Oh. Tant que ça se mange, j'en prends. Y'a pas besoin de lui donner à bouffer à lui, putain. Oh, ça me fait chier. La peau de râteau, on prend la peau. Encore ? Je veux voir votre chef. T'avais des cigarettes? Non, je la prends. Je la prends. Bouteille de lait. Ah, ça c'est quoi? Atelier de chimie. Ils ont rajouté plus de craft qu'avant, déjà que je savais pas le faire. Drogue. Ok. Il y a plein d'ingrédients différents que je ne connaîtrai jamais. Et puis voilà, quoi. Guérison. Quand même regarder comment faire les steam packs, savoir quoi ramasser. Acier antiseptique, poche de sang. Voilà, déjà les poches de sang, je les ai pas ramassées depuis tout à l'heure. Champignons luminescents pour le Radaway et eau purifiée. Bave de Scrito. Ici, toutes les radiations sont mes dépendantes. Steampack, Radaway, poche de sang. Ouais bon, c'est cher quoi. Ok. Mine, on s'en fout. Pistolet à seringue. Juste par curiosité, parce que ça peut être cool. La cible a une chance de faire apparaître une mouche bouffie. C'est dégueulasse. Paralysé. Chance que la cible prenne la fuite. Ok, bon, ça me fait penser à un flingue d'un MGS5, je sais plus comment il s'appelait, les cartouches d'émotion. Oui, on quitte la station, parce que ça prend 3 plombes, et on veut trouver cette caverne, qui peut pas être bien loin de toute façon. Établi d'armure. Non, on peut pas fabriquer d'armure, si. Revêtement isolant, revêtement traité, revêtement résistant. Ouais, en fait, on peut rien faire. C'est cool, mais on peut rien faire. Radaway, je le veux. Chien, allez. Pourquoi chien, allez? Par ici. Ah non, ça sert à que dalle. Mais ils l'ont caché où, leur caverne, bordel? Et je veux pas faire aller le chien quelque part. Venez ici. Fous-moi la paix. Tab. Voilà, merci. Je vais fouiller, quoi. Atelier. Ok, non. Oh, non. Ça va me saouler. Donc on peut construire des trucs. Steampack on le prend bien sûr. Arme de fortune, pistolet plus. Établi d'armes. C'est pareil, je pense qu'on peut regarder, mais fabriquer des armes, ça me paraît un peu tendu là. Okay, amélioration, modes actuels.
Oh, elle est moche cette arme. Elle est moche. Bon, la caverne. Je ne la vois pas. Elle doit pas être très loin l'entrée. Ça paraît très logique en tout cas. Alors il y aura une trappe. Distributeur de lait. Je me demande bien par où on rentre dans cette caverne à la con. Ils ont voulu y aller pour cacher des tonneaux. Donc logiquement si on trouve des genres de tonneaux c'est qu'on n'est pas loin. Poste d'armure à système, il y en a partout. Je suppose que l'entrée de la caverne elle est plutôt derrière. On va regarder les alentours. Qu'est-ce que tu as trouvé toi? Elle est où cette caverne, bordel? Ah mais on a la ville là carrément à côté. J'ai même pas vu. Des fûts. Et qui cachait des fûts. Elle est là. Elle est là. Ouah ouah ouah. Fausse mori. Champignon luminescent, j'ai vu qu'il en fallait pour je sais plus quoi. De l'essence, on prend. Je me disais bien. Et donc maintenant c'est un terrier de ratope. Bon ben on sait comment on va s'occuper au prochain épisode, hein. On va aller visiter ce truc. Bon ça doit pas être bien méchant si c'est un terrier de ratope, on va les massacrer à coups de matraque et puis voilà, tout va bien se passer. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Tiens, on a notre pote chien qui vient vous faire un petit coucou avant de se barrer. Donc merci beaucoup d'avoir suivi et à bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao.